Bonjour, nous sommes aujourd'hui le mercredi 8 janvier et maintenant j'arrive au dessert et je vais prendre mon fromage blanc dans lequel je vais râper de la noix muscade et vous montrer comment je procède et avec quoi. Un peu de sucre. Voyez maintenant, cette noix muscade commence à être vraiment bien râpée. J'ai le choix entre celle-là, celle-là et celle-là. Je vais prendre celle-ci. Et avec cette râpe, comme ceci. Ici de côté. Vous voyez, elle est vraiment petite. Et quand on vient sur la râpe, on risque de se gratter les doigts et les ongles. Il va falloir que je trouve une solution. Voici le résultat. Et ça, c'est la petite râpe qui est donnée avec la noix muscade. Et j'y ajoute aussi de la cannelle, mais elle est moulue. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à remuer. Voilà. Et cette râpe, qui est bien, je l'ai trouvée à Auchan. Mais il va falloir que je trouve une autre solution. Surtout que maintenant, la noix muscade commence à devenir très petite. Allez, il va falloir que je cherche. Waouh! Ceci m'a l'air intéressant. Bon, je vais... Je vais aller voir sur Pau si je puis le trouver. Suivez-moi dans mes recherches. Et que j'aille en ville pour trouver quelque chose pour râper la noix muscade. Direction et centre-ville. Suivez-moi. Allez, maintenant je vous amène rue Henri IV. Allez, venez, je pense que je vais trouver dans la rue Forche le moulin à noix muscade. Venez. C'est une marguerite, démontage des décorations de Noël. Allez, un magasin dont on m'a parlé où il y a pas mal de choses. La place Clemenceau et la préfecture.
des corbeilles sur la droite et vous pouvez y accéder par ici également. Direction. Bon, mais ce soir, je vous montrerai comment ça marche. Je vais d'abord l'ouvrir. J'ai trouvé cette râpe à noix muscade à peau au même prix que sur Amazon. Bon, maintenant, il est temps que je prenne mon fromage blanc. Et que j'utilise devant vous pour la première fois mon moulin à noix muscade. On ouvre ici en dessous. Voilà, je vais mettre une noix muscade ici. Voilà, c'est bien fermé. Maintenant, il faut soulever ceci. Et une noix est coincée. C'est super. Bon, il faut s'y habituer un peu. C'est pas une noix entière, hein. C'est pour ça que... Et voilà le résultat. Voilà, c'était ma vidéo où je vous ai montré comment j'ai fait pour essayer de trouver sur Pau un moulin à noix muscade que j'ai vu sur le net, et en fait je l'ai trouvé au même prix à Pau que sur Amazon. Et vous donne rendez-vous pour voir de futurs WDD Michonneau. À bientôt.